300 messages cette semaine. Oui, 300 messages des gens qui, comme vous, cherchent à s'informer qualitativement en naturopathie ou en micronutrition. Ces gens, comme vous aussi, veulent aider les autres pratiquants de ce métier qui leur tient tant à cœur pour aussi avoir une entreprise durable et pérenne dans les temps. Or, en cherchant une formation qualitative, trouve des organismes de formation qui les proposeront pour peu de temps et peu d'argent se former. Bientôt, toute la France va être un naturopathe, micronutritionniste avec des formations pareilles. C'est ridicule, quoi. Bref, c'est compliqué de trouver la bonne formation dans ces métiers qui est mal vu et non reconnu, justement parce qu'il y a des formations peu qualitatives qui vous font répéter des protocoles appris plutôt que de passer du temps à vous apprendre la physiologie, la biochimie, pour pouvoir trouver la cause qui est l'objectif principal de ces métiers. L'enseignement reste malheureusement pareil de partout. Appliquer une fois de plus les mêmes protocoles donnés et enseignés de partout, quoi. Donc, protocole qui est d'ailleurs toute personne qui s'intéresse à ces métiers peut trouver sur Internet, sur Google, dans un livre. Or, les patients ont aussi accès à ces informations et ils ne vont pas venir vous régler une consultation quand ils peuvent faire les choses pour eux-mêmes. Les personnes se rendent compte que malgré les heures, ils n'ont pas les connaissances. Ils ont perdu leur argent et leur temps. Ce n'est pas parce qu'un médecin fait 10 ans d'études qu'il connaît pour autant la nutrition. Car pendant sa formation, il ne fait que moins de 20 heures de nutrition. Pareil pour les formations actuelles. Ils vont vous offrir un petit peu d'aroma, un petit peu de médecine chinoise, un petit peu de médecine ayurvédique. Mais vous finissez étant un pot pourri de praticiens. Et vous ne connaissez pas comment le corps fonctionne. C'est la qualité de l'enseignement et le sens de la formation qui vous expliquera la biologie nutritionnelle et fonctionnelle, la physiologie, la biochimie, connue autrement comme la naturopathie et la micronutrition. C'est ainsi que l'Académie de formation en sciences de la vie que je dirige est un médecin naturopathe australien. Va vous enseigner en 3 étapes. La première d'apprendre, la deuxième de comprendre, la troisième d'appliquer. Rien n'est tiré du chapeau et tout est justifiable de façon physiologique, biochimique pour que vous puissiez communiquer avec les confrères, gagner le respect, plutôt que quand ils entendent parler de vous, roulent les yeux et disent encore une naturopathe. L'objectif de l'académie, c'est que vous gagnez aussi respect de vos patients, pouvant les expliquer les mécanismes qui les rendent malades et ayant vous-même un rôle dans la prévention primaire, éviter les maladies et la prévention tertiaire, éviter les récidives. Pour en savoir plus, je vous laisse participer au webinaire entièrement gratuit dans lequel je vous dévoilerai mes 17 ans d'expérience clinique au médecin naturopathe, vous offrant des clés essentielles pour pratiquer la biologie nutritionnelle et fonctionnelle, connue comme naturopathie ou micronutrition, vous distinguer des masses et même vous faire conseiller par les médecins et d'autres professionnels de santé. Il ne vous reste qu'à vous inscrire en bas du lien pour avoir accès exclusif à ce webinaire. Je vous dis à très bientôt.